Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi, je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi, je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché, je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Inlassables téléspectateurs, membres de la grande famille du MEODH, mesdames, messieurs, bonjour et très bon mercredi avec Jésus. Très bon réveil. Donc, vous êtes à l'heure de votre émission de prédilection, émission Le Pain de Vie. Nous sommes là pour étudier la parole du Seigneur et lui remettre les premières heures de la journée. N'est-ce pas vrai? Donc, à chacun de vous, la plus cordiale des bienvenues est souhaitée. Et nous sommes vraiment contents pour nous capables avec vous. Matin, pour vous servir à la mise en ordre, la seule audio Adrien. Dans le microphone, c'est Pasteur Othniel Sévère, moi-même, Whitlin Eustache. Nous allons commencer en chantant le numéro 192. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour. Que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Ensuite, nous allons faire lecture Luc chapitre 11, versets 1 à 4, qui là dans l'île, nous avons trouvé texte méditatif pour matin. Et par la suite, ce sera une prière d'invocation qui a été introduite par Pasteur Othniel Sévère dans la méditation du jour. Chantons le 192. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour. Que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne peut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie, il ne peut être envieux. Tout éloge l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fondre les cœurs méchants, durs, glacés. Ils ne peuvent rien répondre, l'amour les a terrassés.
devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour. Il faut un remède immense, il faut un immense amour. Que jusqu'à la mort fidèle, prie en luttant en tout lieu. Ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Amen. Après lecture, Luc chapitre 11, les versets 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, ou bien pardonne-nous nos péchés. » Car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Oracle du Seigneur. Nous courbons la tête pour une courte prière. Notre Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand nous contemplons les cieux ouvrés de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme que nous sommes pour que tu te souviennes de nous? Et tu nous as fait de peu inférieurs aux anges, tu nous as couronnés de gloire et de magnificence, tu nous as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous nos pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. Éternel notre Seigneur, nul n'est comparable à toi. Et c'est pourquoi nous crions que ton nom est magnifique sur toute la terre. En ce matin, à l'heure de l'émission Le Pain de Vie, nous sommes très heureux et fiers pour étudier ta parole à toute la grande famille MEODH. Et nous te demandons de nous pardonner nos péchés. Ah, nous t'apportons tous nos forfaits, nos écarts. Tu nous connais tous, Seigneur. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est cette bonne formule de la prière que tu as légué à tes disciples, et tu nous demandes, quand nous prions, de multiplier de vaines paroles, mais nous devons exalter notre Père Céleste et demande pardon pour nos péchés. Que tu prennes place en nous et parmi nous. Que ton Saint-Esprit nous utilise pour ta gloire et pour ton honneur. Bénis toute la grande famille MEODH. Exaucez, écoute cette prière que nous t'adressons par Jésus-Christ, le Seigneur, auquel soit la gloire, avant tous les temps, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices de MEODH, bonjour et que la paix de Dieu soit avec nous tous. Nous bénissons, bon Dieu, encore une fois, il prend soin de nous, il fait que nous sommes présents virtuellement, pour que nous capables eh bien et passer un moment dans l'émission Le Pain de Vie qui est là pour que nous capables enrichir nous spirituellement. Jeudi c'est mercredi 3 avril, mercredi 3 avril 2024 et que nous pourrons méditer sur le texte de Luc 11 verset 2 qui tout coûte qui dit il leur dit quand vous priez, dites. Et puis trois points de suspension. Il leur dit, quand vous priez, dites. C'est Luc 11, verset 2. Luc 11, verset
verset 2. Et nous connaissons que la prière, ce n'est pas n'importe bagaille que lié. La prière est vraiment cruciale dans la vie de chaque chrétien distinctement. Même les gens qui ne sont pas chrétiens, l'autre religion, ils prient. Ils relaient Dieu par eux, ils font prière par eux. Donc, nous-mêmes, nous justement besoin de prière chaque jour. Ellen G. White dit que la prière, c'est la respiration de l'âme. Tout comme nous ne pouvons pas vivre sans respirer, de même, nous ne pouvons pas vivre sans prier. La prière, c'est quelque chose qui est importante, c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc, la prière, c'est quelque chose qui est nécessaire. Tout comme pasteur Blaise toujours remet dit. Et texte là dit, quand vous priez, dites. Donc ici, c'est les mots avec lesquels Jésus a commencé à répondre à une demande. Donc, un disciple qui t'a posé Jésus question ça, pour demander Jésus, comment pour nous prier? Il dit Jésus, montre-nous comment pour nous prier. Comment nous devons prier? Nous sommes capables de comprendre que prière, c'est toute une science. Prière, ce n'est pas quelque chose comme ça. C'est toute une méthode. La prière, bien que nous ne pas parler de prière et prière qui est extravagant, nous avons parlé d'une prière qui est un principe. Jésus pour montrer nous comment pour nous prier. Et question posée à Jésus pour dire que Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Et Jésus, qui avait déjà auparavant donné les principes de la prière, selon Matthieu 6, verset 5-8, l'a décidé pour le présenter un modèle de prière. Un modèle de prière. Lui a parlé de modèle, ça veut dire que c'est quelque chose ou capable de suivre ou capable de faire en retour. Modèle, c'est que c'est yon première ligne ou bien yon essai, yon lancé, yon sorte de sillage nous-mêmes pour nous capables d'entrer là-dedans. Donc Jésus li te décidé pour enseigner disciples comment yo doit prier. Et on nous dit que cet événement nous enseigne certaines choses intéressantes sur la nature de Dieu. Donc, façon que Jésus pourra le montrer aux disciples comment prier, il pourra montrer aux disciples la nature de Dieu. Qui est Dieu? Et la première chose qui est très claire, c'est que Jésus pense que nous pouvons tous apprendre à prier. Nous tous, nous devons apprendre à prier. Donc, tout le monde en général a besoin qu'on prie. Et nous, on a certaines fois des gens qui ont prié. Il y a des choses que vous utilisez dans la prière qui n'ont pas besoin d'utiliser. Nous songez, il y a des gens qui ont prié, ils utilisent un paquet de gros thèmes, gros mots dans la prière. Là. Et même quand ils finissent d'utiliser gros mots, gros thèmes, et puis les définition yo en dan prière là. Et nous connaissons très bien que il y a un pile monde qui connaît prier et prière yo c'est gros mots qui a tombé. Et surtout grand pile intellectuel c'est gros mots yo chercher pour utiliser dans prière yo. Grand pile gros vocabulaire et gen prière et parole qui c'est prière qui connaît voit un pile monde dans dictionnaire. Et nous connaissons très bien, nous habitués avec cela, bagaille. Pourtant, prière pas demander toute, excusez si me dit démagogie ça, excusez si me utiliser le mot démagogie. Donc et il y a monde qui qu'on a prié et qui c'est le ça pour yo faire ouais yo. Il y a monde qui qu'on a prié récemment gens qui dit la c'est là pour profiter pour yo welé puisque li non milieu ceci cela c'est là pour yo faire welé avait dit s'il mal passé
Donc, chers amis, prière, c'est un bagay qui sérieux, qui sincère. C'est pas un bagay ou ap fait, c'est pas littérature, c'est pas poème, c'est pas vers, c'est pas fable. Prière, c'est comme si ou te gen yon moun ki ou besoin yon bagay nan men, ki ou sérieux. Ou a parler avec lui, c'est comme si ou te gen pou al devant moun pou expliquer yon bagay, ou besoin gen, ou dil besoin, ou dil avec sérieuxité. OK? Donc prière son bagay ki son bagay ki comme d'être qui rationnel. C'est pas le temps pour utiliser gros mots pour mon a parler gros français. Ou ka des fois gros moun ki prie, c'est crier le crier bon Dieu tendel. Gen moun ki ka prier, c'est plein, li pa jeune mot pour le dire encore. Bon Dieu tendel. Eh bien, qui ça t'est passé? Qui contexte texte ça? Pour nous contextualiser, c'est que nantan Jésus t'est venu, hein, t'es gen un groupe monsieur qui est les pharisiens. Donc monsieur Sayo, c'était des dirigeants de la religion juive. Nous songez que monsieur Sayo était vraiment ce sont des farouches de Jésus. Et au toujours tout côté Jésus est toujours là pour chercher erreur que Jésus t'a fait. C'est bien dit t'a fait parce que nous connaissons Jésus pas jamais péché. Donc Jésus t'a gagné une mission bien déterminée, Jésus t'a gagné une mission pour devenir corriger tout ça qui t'a mal fait yo, pour venir corriger yo, pour venir mettre les points sur les i. OK? Jésus t'a gagné une mission pour devenir justement montrer mais qui ça qui t'a fait qui pas bon mais comment nous devons faire. Donc Jésus non seulement il était venu tout pour que il était capable venir eh bien montrer nous la nature de Dieu pour le monde, pour montrer nous que Dieu ne reste pas seulement en tant qu'un Dieu qui est loin, mais Dieu tout, lui prêt nous, lui fait le prêt nous. Alors, et Jésus, il est venu pour ça. Maintenant, disciples, c'est pas disciples, mais dit, pharisiens, certaines fois, leur prier, ils ont toujours appris à haute voix pour les gens qui attendent. Par exemple, ils ont prié sur tout, leur vie sur une place publique, yo met à genoux là y a prié pour qui ça pour moun ka wè que yo a mené une vie dévotionnelle. Yo dit nous le pour aller ces places devant, yo toujours dans toute la rue a prié. Cependant que yo déconnecté avec mon Dieu. Mais ça que y a fait, li vini une simple formalité, li vini un bagay traditionnel. Ça veut dire y a prié, y a observé loi yo, mais qui pas quelqu'un contact avec mon Dieu vrai. Donc Jésus t'est venu pour te corriger bagay sa yo. Donc moun leur kon prier, c'est gros paquet causé. Et nous t'ai songé gon prière qui t'est relaté dans le Nouveau Testament, Jésus t'a parlé de un homme t'a ban en comparaison entre un homme qui nan prière k'ap di bon Dieu, li bal gros dîme, gros offrande, li fait ceci, li fait cela. Donc li pi meilleur passe l'autre ça qui pa bay dim qui pa ba offrande nan l'a frappé l'estomac li. Et puis gon l'autre malheureux qui gen un sou mais qui pa gen même quantité l'autre la gen mais li bal li avec un cœur contrit, un cœur humilié. Et puis li remet li et bon Dieu dit li prend plus plaisir. Jésus dit li prend plus plaisir dans l'autre là qui bal quoi pitié mais li balé avec cœur. Donc Jésus t'est venu pour montrer yo comment pour yo faire bagay yo, comment pour yo prier. Et la première chose, Jésus montrait disciples yo prier. Donc il est encourageant de savoir que même si personne ne n'est expert en prière, on peut apprendre et on a un modèle à lire, nous avons un modèle de prière. Donc nous avons un modèle de prière que Jésus t'a quitté pour nous analyser et ceci pour nous mettre en application. Nous connaissons très bien que surtout nous autres les adventistes du septième jour, nous croyons en français. Donc nous croyons en français, nous toujours vraiment parce que français c'est notre langue officielle entre parenthèses qui n'est pas réelle.
alors nous plus de français son langue en Haïti, son langue pour se faire voir en pile côté. Parce que ou après qu'il y a des côtés, majorité peuple dans la rue a créole le parler. Imaginez nous pas parler créole au quotidien dans la rue. Et l'homme arrive au côté folle montrer le parler français puis ouel qu'on parle français en pile côté. Donc c'est ça que fait des fois en pile monde des fois leur prier dans l'église d'utiliser gros mots français, gros mots. Pourtant bon Dieu pas même besoin gros mots ça yo. Bon Dieu pas même besoin gros mots ça. Tout ça on sait prière que nous fait bon Dieu tendez. Bon Dieu tendez. Donc bon Dieu Jésus ouais comment pharisien ou tap vive, li wè ki comment pharisien ou te kon briye, li di non, et puis disciple ou tout, yo te peut-être yo te nan confusion, yo nan confusion, peut-être disciple ou peut-être yo kesou, mais est-ce que c'est concernant nous de briye Jésus? Jésus dit, m'pral montre nous comment pour nous briye, et nous kon modèle de briye ça dans Matthieu 6, verset 5-8, qui commence avec notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ou commencez avec notre Père. Ou commencez par la gloire. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et en dans prière, ça lui parler de pardon. Ça veut dire, en dans prière, là, il y a tout un package salutaire. Ça veut dire des bagages pour nous sauver. La donne, nous louer nos beaux dieux. La donne nous mandait tout manger pour nous manger. C'est pas seulement pain spirituel, nous mandait pain quotidien tout. Dans prière ça nous mandait pardon. Nous dit bon Dieu pour le pardonner nous pour nous faire nous te fait mal. En dans prière ça rien tout un paquet de bagarre la donne. Jésus t'a montré. Donc ça pas veut dire que nous poil faire prière là chaque jour c'est lui pour nous faire. Nous bien dit que c'est un modèle. Tout comme récemment, mon frère qui posait une question, qui dit, est-ce que ce n'est pas parce que nous parlons de rassembler avec l'Église catholique, nous pas jamais réciter prière, notre Père, et prière ça dans l'Église là. Puisque nous connaissons l'Église catholique, nous avons toujours apprécié notre Père qui est aux cieux, parce que chaque dans la liturgie, nous avons toujours un côté, nous utilisons seulement notre Père chaque dimanche, seulement. Non. Ça veut dire, nous pas obligés de dire même notre Père, mais nous utiliser modèle là, nous commencer avec notre Père, nous là, nous demander pardon, et puis nous demander, bon Dieu, ça la demander là, mais nous connaissons, finir avec au nom de Jésus. Ok? Donc nous connaissons que dans la prière là, nous pas dû vanter tête nous dans la prière là. Nous connaissons que nous pas dû frapper l'estomac nous dans la prière là. Donc, prière, c'est une communication avec bon Dieu. Ou dit bon Dieu, qui ça a besoin? Et ceci avec humilité. Donc, chers amis, et lorsque nous gardons prière ça, nous voyons que Jésus voulait que nous prions. Pour montrer comment prière est important dans la vie. Il est aussi évident que Dieu désire que nous apprenions à communiquer avec lui par la prière. Donc, communication, je dis, si vous avez besoin de parler avec nous, prenez téléphone. Ou prend téléphone. Mais si vous besoin communiquer avec bon Dieu, ou pas besoin de téléphone. Téléphone, nous, c'est la foi ou relé bon Dieu par la prière. Et ceci, ça m'a aimé. Hein? Ou pas besoin de minute. Minute, tout ce qui s'allie. C'est bonne volonté. C'est démangeaison que vous gagnez ou sentir ou besoin de Jésus, ou sentir ou besoin de prier. Des fois, qu'on est au sentir ou besoin de prier. Des fois qu'on est au sentir ou besoin de prier et puis on gon force cap dit non pas prier et puis pendant sentir ou besoin de prier hein, et puis on l'autre distraction passer et puis il prend on et pour oublier sous tes besoin de prier. Des fois sentir ou besoin de prier. Vous comprenez? Donc bon Dieu crée nous avec cette notion d'éternité qui c'est vouloir sa présence, n'a chercher présence lui de temps en temps. Et lorsque nous jetons un coup d'œil à la prière de Jésus, nous remarquons que c'est un dialogue entre deux personnes qui partagent des choses importantes de leur vie et qui ont une sorte de relation de confiance. Nous bien dit, et méditation bien dit, c'est un dialogue entre deux personnes qui partagent des choses importantes. C'est deux mondes qui parlent des choses sérieuses. Ça veut dire que c'est pour le monde qui fait littérature. C'est pour les gens qui
font bagaille pour mon Noël, mais son monde qui gon dialogue sérieux intérêt important, vous comprenez? Donc c'est ça que dit la méditation. Comme cela ressort du Notre Père, la prière est selon Jésus un moyen d'approfondir notre relation avec lui. Prières sont moyen pour nous approfondir relation avec Jésus. Et du reste, la manière dont le maître nous a enseigné à prier indique qu'il s'agit de quelque chose à faire quotidiennement. Donc nous devons prier de manière quotidienne. Par exemple, matin nous prier. Et par exemple, nous pourrons, il y a des gens qui toujours fait. Avant de manger, ils prient, comme ça, il y a des gens qui ne font pas. Il y a des gens même avant de boire de l'eau, même avant de boire un jus, ils prient. Même si vous pas fait grand prière, vous priez dans cœur yo. Gen moun chaque côté yo pour aller chaque fois yo rentrer la caillou yo prier. OK? Gen moun depuis tout petit détail yo prier. Gen moun ki nan machine yo pou y prier. OK? Gen moun ki prier en pile et c'est ça bon Dieu mandé. Donc faut nous gonti prière n'a fait de temps en temps. Et c'est ça que pour le faire que nous toujours observer bon Dieu en plein temps. Servir mon Dieu en plein temps, c'est pas passer chaque jour dans jeûne de lundi à vendredi. C'est lorsque, ou tout partout, quel que soit à côté où il y a, mais où il y a Jésus dans le cœur, ou toujours fait prier, ou toujours demander. Ou toujours demander. D'ailleurs, on n'a pas besoin de minutes pour aller bon Dieu. C'est seulement avantage, mon Dieu. Bon. Nous pas besoin de minutes pour nous relire. Nous pas besoin d'internet pour nous relire. C'est seulement bonne volonté, ce besoin, et puis pour nous demander. Donc, cette prière, la prière de Jésus, nous montre que Dieu est notre Père, qui aime que nous, ses enfants, communiquions avec lui sur une base de proximité et de confiance. Ou pas qu'à prier sans confiance. C'est ça qui fait confiance jouer un gros rôle dans la prière. Et ceci, nous devons utiliser des mots simples et en ouvrant notre cœur comme nous le ferions avec notre Père terrestre qui nous aime. Des paroles simples, pas gros mots, pas gros français, pas stylistiques. Nous ne devons pas prier avec des paroles formelles et ou préparer pour impressionner les autres. Non pas des paroles formelles. Par exemple, nous quand on prie, il y a des paroles yo tout faites. Paroles ça aussi on a dit déjà des grosses expressions que nous avons toujours utilisées que je n'ai toute prière yo. Prière ou utiliser le modèle Jésus, à mon faire selon ou même selon besoin ou selon cœur. Je dis non. Non, nous pas prier pour nous impressionner l'autre monde. Pour nous, par exemple, si on nous Noël là, nous besoin montrer que nous comptons prier et nous commencer à cocher, à cocher pour nous dans carré que nous comptons prier. Nous comptons prier. Alors, méditation dit non, c'est des paroles simples, non pas pour impressionner les gens. Même bon Dieu tout le ouais, c'est pour impressionner l'autre monde, même l'a fait peu de cas. Mais le loué, ça fait qu'on que c'est sert. Eh bien, donc, bien heureusement et des fois malheureusement, nous-mêmes, nous prions publiquement en public en pile. Et ces prières en public qui toujours fait nous paraître faux. Par exemple, là, pour nous commencer l'émission, le pasteur, il faut nous prier, il faut nous finir. Mais des fois, il faut nous prier dans tout, nous prier en public, ça y est, pour que nous ne soyons pas faux. Pour que ce n'est pas parole pour faire, ouais, puisque nous devons médias, nous m'oblige à faire gros prières. Pour mon ouèkou, qu'on prie, etc. Mais bon Dieu, m'a des prières simples comme bonjour. Ce n'est pas prière pour mon ferme, pour faire mon ouè. Donc, en réalité, plus qu'une prière à répéter, le Notre Père, c'est une manière infaillible de faire de Dieu notre ami. Et si nous prions maintenant même, bon Dieu, l'attendez. Non pas de grande prière pour se faire voir, mais prière sincère avec que nous. Pour que mon Dieu capable de répondre nous, effectivement. C'était le Dieu qui nous enseigne à prier. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour la méditation du jour. Et parce que nous toutes, t'es bien dégusté ce morceau de pain très appétissant, n'est-ce pas vrai? Et oui, oui, merci à Pasteur Othniel Sévère qui se prend du temps pour capable partager avec nous. Le morceau de pain, c'est là. Que chaque monde joigne, hein? Parce que tout le monde arrive à joindre dans un repas spirituel, ça qu'on se partage ensemble. Donc, rapidement, après appel, si vous avez rejoint nous, vous avez suivi l'émission Le Pain de Vie, nous sommes le mercredi 3
avril 2024. Hein? Yeah. Et maintenant, nous allons vous communiquer la liste des 10 premiers arrivés pour ce mercredi. Mm-hmm. Nous avons Ginette Guillaume en première position avec 10 étoiles, Hermantolius 2e 9, Naisson de Pierre 3e 8, Ezias Marcellus 4e 7, Gina Etienne 5e 6, Magdalene Pierre 6e 5, Savesky Claude 7e avec 4, Claudine Brice 8e avec 3, Mirlod Narcisse 9e 2, et puis Sandra Dieu-Juste en 10e position avec Yon Étoile. Voilà. Donc, nous, mesdames, continuez à peu ponctuel et puis yo à l'honneur. Alors, monsieur, yo qu'on fait ça, oui, mais li pas habituel. Faut monsieur font fâché, oui. Faut qu'ils font fâché, faut qu'ils font colère. L'aime du colère là, c'est pas mauvais colère, non? Son sorte de. Y'aime quoi, c'est yo qui était à l'honneur. Y'a même quitté à l'honneur hier. Malheureusement, nous pas de là hier. C'est pas, mais c'est mesdames et messieurs, non, femme. Mais dimanche, non, j'étais à l'honneur. Quoi, hier, c'était yo. Et puis, je dis à mesdames et messieurs, comme ça, tu as dit, c'est un petit passe-cap fait entre deux groupes, ça yo. Ok. Et ma question, plus ponctuelle. Mm-hmm. Et donc, je dis à là, c'est mesdames et messieurs, dans le petit écrit, elles sont à l'honneur. C'est vrai, ils sont ponctuels. Parce que nous avons deux garçons dans le top 10 là, mais c'est elles sont à l'honneur. À l'honneur. Mmh. Ils sont ponctuels. Voilà. Okay. Oui, hier, c'est monsieur qui était à l'honneur hier. Mais pour aujourd'hui, mesdames, je réponds à faire. Eh bien, ok, nous féliciter et continuer par apprécier l'effort que nous avons fait pour nous être ponctuels dans toute émission qui nous présente sur la plateforme MEODH, particulièrement émission Le Pain de Vie. Félicitations avec tout le monde qui fait partie des top 10 ça, qui ont même arrivé. C'est plus ponctuel le matin. Hein? Mais nous, dit mesdames, ils ont excellent. Oui, parce que yo, même jusqu'à maintenant, c'est yo qui s'en s'est amené. Hein? Et bien que monsieur est capable de dire ça, c'est à égalité. Oui. Dimanche, monsieur était à l'honneur. Hier, mardi, il était à l'honneur. Lundi, à mesdames, jeudi, à mesdames. Et comme si il y a égalité. En tout cas, nous suivons. Nous parlons de comment ça pourrait le finir. Mais nous suivons, pasteur Othiel. Eh bien, voilà. Et ces moments, côté que nous avons passé dans le son école sabbat, nous sommes sûrs et certains, nous prenons. Fait même Jean noté ouais nous l'enlève là participer dans méditation qui était porté pour nous comment nous devons prier pas multiplier de vaines paroles et Jésus nous communique la bonne formule de la prière et en pile là nous était satisfait et participer amplement. J'espère que n'apral participer également dans le son école sabbat qui me toujours fait me féliciter tout étudiant tout élève à le citer non personne pour ne pas faire jalousie bien que nous connaît gagner étudiant qui plus est opulent que l'autre, mais ça n'est pas dérangé. Oui, le grand thème pour ce trimestre, c'est le grand conflit que nous avons dans le deuxième trimestre, c'est ça, deuxième trimestre pour l'année ecclésiale là. Oui, c'est ça. Et le grand conflit, son thème. Nous étudions pile fois déjà, et c'est lui-même encore. On a continué à faire face ensemble avec lui. Et ouais, des leçons extrêmement importantes que thème ça lui porte pour nous, surtout à travers la Bible, qui retracent pour nous-mêmes ce conflit qui existait entre bien avec mal. Donc, pendant que nous avons plaidé poser en pile question pour dire qui côté souffrance ça et que nous là sorti. Côté problème, yo, sorti, côté guerre, la mort, maladie, calamité, etc. Côté yo sorti, donc nous arrivons à joindre réponse à toute question ça yo, parce que nous sommes derrière toute question ça yo qui nous a posé, caché, il y a l'autre guerre qui s'est
le grand conflit qui existe entre le bien et le mal. Donc nous devons comprendre, quel que soit côté bien et mal là, les là également. Mm-hmm. Well, mm-hmm. C'est ça qui est le grand conflit. Et nous connaissons Jésus, ses principaux, il est capable de dire, ah, si vous voulez, parce que tel patron, mais nous utilisons le terme ça. Mais en ce sens que c'est lui-même qui t'a jeté Satan et ses anges et à terre, sorti dans le ciel là, dans la guerre, ça t'a éclaté. Et c'est ça, verset à mémoriser le son. Hein, et même dit nous, et n'a pas tout rentré là dans lui. Et il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Mm-hmm. Et le dragon et ses anges combattir, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et verset ça, c'est Apocalypse 12, versets 7 et 8, Pasteur Othniel, c'est texte et verset à mémoriser. Et nous devons mémoriser pour que l'on ait une récitation, pour que personne ne pas brider, personne ne pas monter, hein, mm-hmm. pour nous être capable de mémoriser ce verset. Son très beau verset qui retrace pour nous côté guerre après naissance et puis qui pral continue faire chemin sous la terre lorsque pral gagne la chute de Lucifer et ses anges. Maintenant, il y a plusieurs parties que nous étudions déjà qui déjà répondent à des questions que nous posons, telles que guerre au paradis. Nous avons des questions qui étaient déposé pour dire comment se fait-il une guerre capable d'éclater dans un environnement parfait. Mais nous devons comprendre que dans un environnement parfait, ça, chaque monde a le droit de choisir. Donc, il n'y a pas de robots. Il y a le droit pour choisir et pour servir bon Dieu par amour. Comme ça, il y a été capable de choisir pour que il y ait quitté l'orgueil et monter. Ça n'a pas empêché que ça t'est arrivé là. Et l'autre partie de son qui est après le fait suite, c'est il est vrai que cet être que Dieu il t'a créé merveilleux, à savoir Lucifer, t'est pral influencé yon tiers dans l'autre ange. Et ça veut dire ça que entretenait un tiers des étoiles du ciel. Donc, on parle de sa queue, nous t'ai expliqué en long et en large, c'est les influences mauvaises de Lucifer qui trompaient en pile l'autre ange, qui t'ai pensé que Lucifer vraiment avait le pouvoir et le capable de faire placer ton népi ou que ton papa bon Dieu. Ça fait qu'il était appuyé dans la rébellion, malheureusement. Il était trompé. Et ça fait que ouais, Christ, il était triomphé et il a toujours triomphé parce que planète Terre vient nous impliquer en tout ça. Et quand verset dans avant-texte, verset à mémoriser, ou bien après, si je m'abuse, qui pral dit malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, planète Terre vient nous impliquer dans un conflit cosmique, ça, qui gagne, mais sauvegarde-nous, c'est si nous accrochons à Jésus. C'est si nous obéissons à la parole de Dieu. Parce qu'il t'a déjà dit, mais ça qu'a privé. Malheur à la terre et à la mer. Donc c'est ça qui fait nous comprendre. Pour que malheur qu'a privé s'abattre sur la terre pour détruire la terre, c'est, ça va dépendre de choix, de position, quand on positionné. Et quand même, vle ou pas, guerre là, la guerre pour le fini. Mais notez, lorsque la guerre s'est pour le fini, maintenant, qui côté que nous autres, nous avons pour nous y si nous à Christ, nous avons pour nous triompher. Mais si nous choisissons l'autre camp, nous comprenons, c'est que Satan déjà vaincu, c'est un ennemi vaincu, mais il a continué à essayer pour nous la rassembler moun, pour aller faire une dernière bataille. L'amour se ferait le chemin, et c'est l'autre partie qui est pour nous aujourd'hui. Bien que hier, nous n'avons pas approfondi la planète Terre s'implique,
Et Pasteur Othniel pas avec nous hier. Nous ne connaissons pas si ajouter quelque chose sur la planète Terre s'implique ou bien si nous avons tout rentré dans la mon souffrait le chemin pour aujourd'hui. Pasteur Othniel, nous croyons à vous-même. Et la planète Terre s'implique, ça montre que la guerre là n'est pas traitée seulement dans le paradis. Et Jean dit là, dans l'Apocalypse, il dit malheur à la Terre parce que le diable est descendu sur cette Terre. Maintenant, terre là qui vient devenir une terre de péché. Bon Dieu, lui omniscient, lui omniprésent, lui omnipotent, il te connaît peut-être déjà que, eh bien, ça t'a pas arrivé. Je le dis carrément. Mais ça qui est intéressant, c'est parce que lui fait provision et lui fait plusieurs plans. Donc, guerre là, lui commence dans le paradis. Hein? Nous te dis déjà, guerre là commence un côté qui pas jamais péché. Oui, un côté qui pas jamais péché au ciel. Yo côté être cap vivre c'est être qui s'empêcher et voilà que une guerre li éclaté. Donc c'est ça qui fait grand pile monde qui a jugé bon Dieu, c'est ça qui fait nous te parler de trilemme d'Épicure et dimanche là cap dit si bon Dieu bon pour qui ça li pas éradiquer péché, si bon Dieu ceci pour qui ça pas fait cela. On paquet trilogie etc. On paquet y a utiliser monsieur go philosophie. Mais nous voilà que bon Dieu c'est lui-même qui inventé mot ça que nous est que en pile moun a utilisé dans monde là croit que moun nan li pas de Dieu mais yo utilisé et mot ça son mot qui crucial, c'est un mot qui important. Cependant malheureusement aujourd'hui a ou je li excusez l'expression dans toute boîte poubelle. Cependant son mot qui précieux, son mot qui résume Dieu qui c'est l'amour. Donc, croire que bon Dieu finit créer l'homme, bon Dieu créer l'homme, et que l'homme vient pécher, selon nous, Genèse 3, mais bon Dieu pas abandonné l'homme. C'est ça que fait nous pour aller que non seulement bon Dieu l'y orienter l'homme, mais l'y user de l'amour envers l'homme. C'est ça que fait jeudi, c'est mercredi, titre là, c'est l'amour se ferait le chemin. L'amour se ferait le chemin. Moi, il y a un côté qui dit que la plus grande puissance de l'univers, c'est l'amour. Car Dieu est amour. La plus grande puissance de l'univers, c'est l'amour parce que Dieu lui-même est amour. Donc, bon Dieu, par devant ce conflit cosmique, l'ipoil vini avec le plan de la rédemption. Mais pour que le plan de la rédemption soit effectif, il faut gagner l'amour. C'est ça qui fait nous pour jeune l'amour de Dieu, l'amour que il a pour nous et l'amour ça li pour manifester avec yon événement yon bagay qui pour le passer yon rele kon mot ça que théologie ont toujours remet utiliser et parce que c'est kénose. C'est kénose que ont toujours remet utiliser que côté que bon Dieu Jésus dans le ciel li pour dépouiller li. Il pourra le dépouiller. C'est une prérogative divine. Exactement. Parce que nous connaissons Jésus, lui c'est Dieu. Et pas de monde qui a campé devant Dieu pour garder. Parce que ça passe assez tête à tête à prêter. Parce que tellement il brille. Parce que nous-mêmes, nous sommes des pécheurs. Maintenant, Jésus, pour que lui capable de montrer nous la nature de Dieu, pour montrer que bon Dieu n'est pas simplement un être qui est loin, mais il prend nous tout. Donc Jésus, pour le venir, pour que lui montre nous qui est Dieu. Et il dépouille, et il vient faire devenu homme et Dieu. C'est ça qui fait nous parler de la nature de Dieu, c'est divino-humain. Donc Jésus, pour le venir faire devenu un homme, il pour le passer par une fille qui c'est Marie, pour que lui porte l'amour. Et il dit qu'un texte dans la Bible, il résume tant que le texte central de la Bible. Je ne le dis pas, je dis l'après, mon qui dit lui. C'est Jean 3, verset 16, qui dit Dieu, non pas dit car, il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Après que planète Terre l'a fini impliqué dans la guerre, ça, qui vient devenir une guerre cosmique, donc bon Dieu, par amour pour l'homme, par amour pour l'espèce humaine,
li voye justement Jésus qui c'est Dieu d'amour pour que li capable sauver nous. Donc Adam avec Ève t'es péché. Bon Dieu mandé au pour quitter jardin. Hein? Désormais souffrance, désormais labeur, désormais difficulté pour le faire partie de partage. Maintenant imaginons, est-ce que bon Dieu a quitté au comme ça et a prêté sans espérance, sans espoir? Est-ce qu'il a prêté sans que, imaginons, il vive et puis il mourit, et puis pas grand-chose qui arrive après? Ou bien est-ce que il finit de mourir et puis pas de résurrection? Non. Bon Dieu, il a planifié un plan, et c'est ça que fait, nous pouvons le joindre. La première prophétie biblique dans la première prophétie biblique qui trouve dans Genèse 3 verset 15. Première prophétie que nous jouons dans la Bible là, il dit nous, les trouve dans Genèse 3 verset 15. Genèse 3 verset 15 qui parlait qui dit je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, dans le texte qui est la première prophétie biblique, il montre que pour gagner, il y a un conflit, pour gagner une guerre. Et dans la guerre, ça, personne ne peut sortir idem. Le mot idem, c'est que pas quelqu'un ne peut sortir sain et sauf. Quoique, même si nous avons regardé dans le film, il y a un acteur, il y a un bandit. Donc, acteur là, nous, même si le bandit a saccagé, il a maltraité, mais quand même, ak bandi a gen pou le mouri. Donc acteur a li touché, des fois ou konn bat yo, des fois ou konn perd du famille yo, mais ça qui est essentiel là c'est que nan fin combat, nan fin film nan, bandi a mouri quand même. Et ben c'est même j'en nou capable illustrer avec ce conflit. Que ce soit la partie bien qui c'est Dieu, Jésus nous parle dans texte là que talon li pou le blesser sur la croix. Donc Satan pou le tenter et jusqu'à ce que il pourra chercher camper plan de la rédemption, il est pas capable et tout adversaire là tout, il prend coup et jusqu'à ce que très bientôt il pourra le détruire. Ça veut dire que c'est une guerre. Personne ne peut sortir idem. Nous mêmes qui chrétiens, c'est normal si nous est que des fois nous prend difficulté, des fois nous frapper, des fois. Mais ça qui est essentiel là, c'est que ou ta n'a porté victoire au nom de Jésus. Donc guerre ça qui montre dans Genèse 3 verset 15 là, il montre que pour aller en guerre, pour aller en conflit, mais personne pas sortir idem. Mais l'essentiel c'est que monde qui en Jésus très bientôt y a porté victoire sur le mal, sur le malin, sur le diable, le serpent. Merci à Pasteur Othiel pour ses explications. Je pense que nous t'attendons avec un pile attention. Dans la partie leçon ça, l'amour se ferait le chemin. Dans la grande leçon, la guerre derrière toutes les guerres. Peut-être une grande question qui n'est pas toi-même posée. Ça qui arrive, ou même dit pas trop, parce qu'il y a des gens qui ont posé la question ça. Mais il y a un pile, un paquet, si vous voulez, question que nous aimons poser. Et nous jouons dans la leçon semaine ça. Mais gayon non pas trop rien m'imposer. Pour qui ça? Bon Dieu remet nous comme ça. Nous avons cette question. Il y a monde qui connent poser mais comme ça nous pas rien m'imposer. Nous plus rien plutôt poser question pour qui ça bon Dieu pas de fait tel bagaille, pour qui ça le pas de ci, pour qui ça le pas de ça, mais nous pas poser toutes nos questions. Mais quel est cet amour? Pour qui ça? Tout ça. Hein? Et parce que on nous dit ou gon petit ou dit, téléphone ça là pas déplacé. S'il déplacé, il est capable, tel bagage est capable de priver. Ou bien, il n'est même pas capable d'explication. Bon, ok, on nous dit quand même, ou pas l'explication. Même Jean-Bon Dieu dit avec Adam, avec Ève, gagne un homme qui en colère. Et l'a venu, ouais, nous quand même, l'a venu visiter nous. L'elle vient visiter nous. Ça va dépendre de comment ils joignent nous. C'est ça que fait. Nous, Abza qui là, pas touché. Parce que là, je ne touche pas, il n'a pas mouru.
Adam avec Eve pas doué à même temps d'explications sur question absurde. D'ailleurs, qu'il te joigne information déjà pour dire qu'il y a un ennemi qui acharné et qui est capable de détruire à tout moment. Malheureusement, nous connaissons ce qui passé. Il a obéi avec une simple question. Dieu a-t-il réellement dit? Et Dieu te cache quelque chose. Parce que dans l'explication, serpent, je ne sais pas oublier, serpent. Lucifer, Satan plutôt, utilisé comme médium, pral dit, et Dieu sait le jour où tu en mangeras, mais ça pral passer, tes yeux s'ouvriront, et wap tan kou l'autre Dieu, wap konnen sak bien ak sak mal. Donc, c'est comme si Satan est en train de dire à Ève, Dieu te cache quelque chose. Malheureusement, Ève n'a pas posé cette question. Les tomber, les manger, les désobéir. Mais qui compte me arriver lorsque on a retracé ça? C'est pour montrer l'amour de Dieu qui passe au ciel sur ta et partager ensemble avec nous. Les Adam et Fin fait ça. Bon, j'ai pas tout bonnement comme c'est venu et puis les prononcer sentence non. Au contraire, les chercher yo. Les chercher yo, c'est question qui a posé. Où es-tu? Côté noyé. Malgré au trouver on empêché a il pral proposer solution lorsque lui pral tuer un agneau qui c'est symbole venu et messia ou qui c'est symbole Jésus c'était des types à la venue du messie donc il guetant proposer la solution à ce problème quel est cet amour l'amour de Dieu pour les humains et m'a fini pour dire Jésus, c'est la manifestation de Dieu, ou bien la vraie manifestation de Dieu sous une forme supportable à l'humain. Dieu savait manifester. Nous rappelons-nous, buisson ardent, bon Dieu était manifesté. Les manifestés, serpent errant, que nous rappelons-nous, Moïse était fait. Tout ça, c'est la manifestation. Les façons Dieu capable de manifester. Alors, l'homme parle de serpent errant, c'est comme si c'était un type tout de la venue de Jésus. Mais Jésus même, c'est véritable. C'est plus bonne façon que mon Dieu est capable de manifester sous une forme supportable à l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes capables de toucher Jésus, tandis qu'il n'y a pas qu'à toucher Dieu. Ouais, mais Jésus, en Jésus, Dieu s'est manifesté pour que il est capable et permettre nous comprendre l'amour quelqu'un pour nous dégré l'amour quelqu'un pour nous question ça capable toujours été parce que quel est cet amour est-ce nous poser peut-être nos questions ça pour dire mais malgré tout ça me fait pour que Dieu même ainsi quel est cet amour c'est des questions que nous avons de continuer à poser et que le son semaine ça particulièrement partie jeudi a essayé répondre ensemble avec nous surtout à travers des textes Hébreux 2 verset 9 Galates 3 verset 13 et 2 Corinthiens 5 verset 21 tout texte ça yo censé a faire un seul bagaille montrer nous comment Dieu s'est manifesté en Jésus pour que moi-même ensemble avec vous capable gagner la vie éternelle Jésus qui était trôné il a baissé pour un peu de temps. Maintenant, les couronnés pour tout temps, c'est ça, Hébreux 2, verset 9, dit nous. Dans Galates 3, verset 13, même, il dit, pendu au bois, c'était une malédiction. Mais Jésus prend malédiction ça pour moi, ensemble avec vous. Il prend malédiction ça. Il vient faire malédiction pour moi-même, ensemble avec nous. Encore, quel est cet amour? Et dernier texte là, lui-même qui s'al dit, Jésus qui par exemple connaît sacré les péchés. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il fait péché pour nous, pour que nous soyons capables de venir en lui-même, justice de Dieu. Encore, quel est cet amour? Donc, c'est une question que le péché a dû poser. Mais pas tu as plein de poser des questions pour dire, mais pourquoi tout ça, il a gardé là. Mais en dépit de tout ça, l'amour de Dieu s'est manifesté. Et au milieu de ces, comme tu es capable de dire, notre désobéissance pour racheter nous de cette malédiction. Pasteur Otlin, c'est vrai. Oui, merci, Pasteur Otlin, c'est bien. Alors, tout texte a vraiment montré le sacrifice Jésus fait pour nous.
c'est que Jésus lui prend humiliation pour nous. Il prend humiliation pour chaque monde qui vit. C'est ça que fait Jésus montrer exemple. Donc, des fois, nous, qu'on a posé peut-être nos questions pour nous dire comment bon Dieu fait un même comme ça. Pourtant, il y a des gens qui n'ont jamais identifié que bon Dieu est meilleur. Parce que il y a des gens qui vivent au jour le jour, mais il y a des gens qui, ouais, l'amour bon Dieu, c'est au travers de leur vie, leur quotidien. C'est lorsque ils ont trouvé nos situations et que ils ont mis confiance dans bon Dieu répond yo. C'est le ça. Ils comprennent que bon Dieu est meilleur. Cependant, il y a des gens jusqu'à présent qui n'ont jamais expérimenté l'amour de Dieu. Pourtant, Dieu reste amour en sa faveur. Bon Dieu était l'amour dans la vie, mon ça. Donc, nous sommes capables de voir que la croix, je n'ai pas sûr de ce dire-là, c'est un élément qui illustre l'amour de Dieu pour nous. Donc, la croix, elle a deux significations selon un professeur qui écrit un livre. Première signification, Lydia, c'est que lui montrer l'immensité de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Lui montrer comment bon Dieu remet l'humanité, la croix. Cependant, deuxième signification, la croix gagne, la croix montrer comment l'homme pas bon, comment l'homme très bas, comment l'homme, excusez-moi si je dis ça, c'est normal, comment l'homme c'est criminel. Ouais? Ça veut dire, bon Dieu montre l'amour, bon Dieu, l'immensité de la croix montre l'immensité de l'amour de Dieu. Comment l'amour, bon Dieu, est large, est énorme, est grand. Et comment tout l'homme trouve un état très déplorable. Imaginons Jésus, côté Jean, pasteur à ce dit-là, pasteur Otlin se dit-là. Donc, il a accepté la croix. Contexte, 2 Corinthiens 5, verset 21 dit, « Soyez réconciliés avec Dieu. » Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus qui n'a pas jamais péché, il fait le vin péché pour nous-mêmes. Ça veut dire, là, nous avons l'amour, bon Dieu. Et l'autre part, nous avons l'homme. C'est pour nous, Jésus vient mourir. Pour nous, il sacrifie. Et puis, c'est l'homme encore qui kembe Jésus, il bat lui. Yo maltraité li, yo prend clou, yo cloué main, yo cloué pied li, yo passé nan bêtise et puis yo tué là. Mais comme cela a été déjà annoncé, comme ça a été annoncé déjà dans prophétie yo, dans la Bible, dans psaume yo, psaume messianique yo, dans Ésaïe, dans plusieurs autres textes. Donc c'est ça pour t'arriver pour que nous t'es capable de sauver. Mais action que l'homme fait montrer comment l'homme n'est pas bon. Mais action Jésus fait à montrer comment Jésus est bon. Donc la Bible parlait de Jésus qui était venu dans le monde là et lui connaît chagrin. C'est ça qui fait, le nous gagne chagrin, nous pas besoin peur parce que Jésus t'a subi chagrin. Jésus connaît chagrin. Jésus connaît déception. Pas de monde qui prend déception parce que Jésus sur la terre. Pas de monde qui prend déception. Jésus prend déception qui est publique. Gros déception, Jésus prend déception. Et par les mondes, Jésus connaît douleur parce qu'il passait par des douleurs. Et ceci n'est pas n'importe douleur. Donc Jésus lui révélait une crise, douleur révélée, une crise qui fait face à tentation. Donc tout ça que nous fait face à eux, Jésus fait face à eux. Tout simplement, devant tentation, nous tomber, Jésus n'est pas tombé. Donc c'est une raison qui fait que nous ca fait Jésus confiance parce que nous tomber lui-même n'est pas tombé. Donc c'est ça qui cause nous doués venir côté Jésus pour que nous capable parler avec lui parce que lui pas jamais péché. Et ça qui est intéressant c'est parce que Jésus lui triomphe. Et il fin triompher, il gagne pour le triompher avec nous. Il gagne pour le triompher avec nous. Et ceci, le salut est personnel. Le salut est personnel. Dans la leçon, on nous dit de penser à Jésus. Jésus qui a créé le cosmos et qui finit créer, qui descend sur le ciel là. Et il n'est pas seulement venu dans le monde de Chia, mais il souffrit pour nous. Selon Ésaïe 53, verset 1 à 5. Et tout ça, c'est parce que il remet nous.
gen maman qui konn souffri pour petite, gen papa qui souffri pour petite. Mkwè ke Whitley li tellement mes petite fille là, li souffri pour lui. Donc grand pile l'autre monde qui fait expérience là. C'est ça que fait la Bible, dit comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc la Bible claire et il y a des monde qui a expérimenté ça. Me songe Whitley, moins jeune un monsieur. Ça a des années. Toujours aimé bailler des expériences, excusez-moi. Et puis monsieur a moi ouais comment la cajoler une petite fille gain. Comment lire mais me dit monsieur, vous connaissez beaucoup fait expérience là Whitley. Me dit monsieur, comment sens-tu avec elle? Qui ça manifeste dans où? Hein? Qui ça qui joue? Qui ça manifeste dans où? Même j'ai récemment demandé poser chat une question en tout. Les chaque fois me poser les questions me dit comment madame petite monsieur chat sont toujours dit mieux bien passé. C'est encore dans comme un père à compassion de ses enfants. Ça veut dire en tant que père responsable, li connaît bien passé parce que li faut lutter pour yo. Donc monsieur dit monsieur a te répondre moi, il dit mon cher, ça me senti pour lui, pas qu'à expliquer. Il dit pas qu'à expliquer ça le senti pour yo. Ça veut dire des fois on papa qui prête pour le sacrifier pour petite li. Et si petite là a un problème, c'est comme si il senti c'est lui-même qui t'a supposé dans place li. Ça veut dire c'est pas pour sans raison que la Bible montre nous comment bon Dieu dans son amour li voyait Jésus vinn mourir pour nous et Jésus dans son amour li acceptait mourir pour nous et on dit nous que Jésus vini pour le rater oui Jésus vini pour le dire retire de moi hein cette coupe hein? Mais Jésus dit non exact non il dit si me pas prendre qui est-ce qui va prendre si me pas prendre souffrance ça yo et qui est et moun sa pou al périr tout moun sa pou al mourir qui pou al périr sans Dieu sans espoir et puis Jésus a accepté li prend coupe là li prend souffrance là li prend la croix et jodi a si nous chelbe nous gain espoir c'est grâce à Jésus qui te fait sacrifice ça pasteur alléluia pasteur Daniel mes amis yo prend plaisir avec là pour Jean que yo a expliquer partie leçon aussi là vraiment vrai et question yo c'est pense question chaque ami qu'on y a cet adoué quel est cet amour oui. Pour qui ça y a un amour comme ça y a un amour sans pareil et y a un chant que moi-même et moi-même sérieusement ça m'a dit et que amis au capable de chanter chanson 320 quel ami fidèle et tendre nous avons Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances. Même Jean lui-même, il était qu'on souffre chagrin, j'en t'ai dit tout à l'heure. Et il connaît ça capable de briver nous tous. Mais nous cachons trop parce nous cachons trop. Il est très sévère en ses exigences. Ouais, il est très sévère en ses exigences. Mais il est riche. Chance à parler là. Les résumés le son. Exactement. Eh bien, nous avons tout chanté. Parce que nous avons tout chanté en strophe, bien que le concours soit censé arriver. Pendant que nous avons fait conclusion de son, nous sommes capables de chanter en strophe là dans l'ensemble de nos amis. Pour vivre parole, ça y est. Parce que chaque goutte de sang, Jean qui le son en dit là, qui a coulé sous quoi, à chaque goutte de sang, ça y est. Jésus répond pour dire que il remet nous. Et parce que c'est comme ça un monde qui a vraiment montré qu'il remet en l'autre. Hein? Parce qu'il mourit dans place où pas gain l'autre monde qui était capable de faire ça. Alors chers amis, n'a pas tourner pour faire conclusion de son ensemble avec nous. Nous connaissons ça, nous voulons respecter l'heure et n'a pas pour chanter également strophe chanson 320 ensemble avec vous, c'est promis. Pendant n'a pas pour faire conclusion de son et appliquer ensemble avec nous aujourd'hui hein. Mais l'heure a déjà arrivé pour nous entrer dans le concours biblique là, c'est tout de suite après jingle là. Préparez-vous.
Merci à nous tous qui étaient fidèles. Le moment arrivé côté que nous allons entrer dans le concours biblique là, dans la rubrique sacrificateur biblique, c'est ça? Hier, nous étions ensemble. Qui est-ce? Ah, quel bâtiment hier? Oui, je pense à un sacrificateur dans la Bible dont le nom commence par la lettre. Indice 1, c'est son nom signifie récompensé par l'Éternel. Indice 2, il était un sacrificateur du temps de Néhémie, chargé du trésor d'après Néhémie 13. C'est la lettre S. Ok, oui, c'est ça. Nous pensons qu'un sacrificateur dans la Bible, nous commençons par la lettre S. J'ai l'impression qu'il dit là. Les signifie récompensé par l'Éternel. C'était un sacrificateur dans Néhémie qui était chargé des trésors. D'après ça, nous lisons dans Néhémie chapitre 13. Le concours biblique l'a lancé. Nous pensons que c'est extrêmement facile. Il y a tout un chapitre qui va trouver non sacrificateur. C'est là que nous pensons avec lui dans le cadre du concours biblique. Là. Oui, oui, oui. C'est là, c'est parti. Hein, c'est parti. Il y a nous voyons les hasards. Oui, il y a deux liens. Nous te voyons hier. Et je dis, après, il y a l'autre sacrificateur, par contre, qui laisse. Il y a un El Joenaï, parce que je ne sais pas prononcer bien. El Joenaï. Nous te voyons un sacrificateur, ça. Ah oui, oui, oui. Nous voyons Ismaël. Il y a une qui était difficile que je ne pas songer jusqu'à présent. Je ne pas songer. Je ne pas songer. Pas songer, non? Non, je ne sais pas songer. Ah, on va la bal coquer chotou pour aller poser nos quelques sacrificateurs pour voir nos quelques noms. OK, nous songe quelques noms. Pas va songer toutes. T'es gros pas sûr. Pas sûr, c'est ça? Oui, oui. Pas sûr. Oui, pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Ou songe, ou gain mémoire, ou dormi bonne. Hier, c'était Eliazar. Et puis jeudi à Napoué, il y a un autre, nous pas comprendre qui est ça. Oui. Nous souhaitons les amis à préparer, à chercher. Aidez-nous à trouver qui est le sacrificateur. C'est là. Le sacrificateur était qu'on fait des travaux extraordinaires. Oui. Mais je me rappelle le sacrificateur. Non, bah, ce n'est pas mon ça, nous passons avec les Jodia. Finé. L'Éternel bat bravo pour finir après le fin de fond action. C'était extraordinaire. Ah bien. Nous, qui avons connu, depuis nous parler de concours biblique, nous trouvons moment de création. Les amis, ils ont dit oui, ils ont dit création. Oui, création. Et nous avons salué. Parce que par exemple, sur avec ça, nous allons mettre le feu. Vous voulez nous mettre du feu, non? Oui, mettez du feu, non. Ah, vous du on va accepter Junior. Avec maestro Richardson Jean, nous allons chanter « Si tu cherches, si tu doutes, si tu peines sur la route, prends ma main dans ta main, tiens bon. » Il y a un chant qui a fait plaisir avec tous les natifs du mois d'avril, particulièrement. Il a fait plaisir avec Roda, qui a bien pour fêter demain, Dieu voulant. Et tout c'est là qui a bien pour fêter, dans l'autre jour qui a venu, on a bien temps annoncé. On a bien fait « Tiens bon. » Prends ma main dans ta main, tiens bon. Si tu cherches, si tu doutes, si tu peines sur la route, prends ma main dans ta main, tiens bon. Tiens bon, tiens bon, prends ma main dans ta main, tiens bon. Wow, c'est ça que nous allons faire ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Si tu cherches, si tu doutes, si tu peines sur la route, prends ma main dans ta main, tiens bon. Tiens bon, tiens bon. Prends ma main dans ta main, tiens bon. Si le cri de ta souffrance ne peut briser le silence, prends ma main dans ta main, tiens bon. Tiens bon, tiens bon. Prends ma main dans ta main, tiens bon. Comme de liberté sera l'île les opprimés. Prends ma main dans ta main, tiens bon. Tiens bon, tiens bon. Prends ma main dans ta main, tiens bon. Au-delà de nos frontières, nous disons à tous nos frères. Prends ma main dans ta main, tiens bon. Tiens bon. Tiens bon, prends ma main dans ta main, tiens bon, trois esquimaux,
autour d'un boisero. La la la, écoutez l'un d'entre eux qui sur son banjo jouant d'un mortel ami. Au pays du soleil de minuit, y'a pas de cerise en Alaska. Wachi 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 wa wa wa, sous la banguise, pas de mimosa. Wachi 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 wa wa wa, pas de petits moutons sautant sur le gazon. Pas de rire à bagarre et pas de bouillonga. Banala zoom, banazoom, 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 banala zoom, banazoom, banazoom, banala zoom, banazoom, 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 banala zoom, esquimo autour d'un boisero. La la la, écoutez l'autre qui son banjo jouant de mortel ennui. Au pays du soleil de minuit, y'a pas de cerise en Alaska. Wachi 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 wa wa wa, sous la banguise, pas de mimosa. Wachi 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 wa wa wa, pas de petits moutons sautant sur le gazon. Pas de rire à bagarre et pas de bouillonga. Banala zoom, 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 banana, oh, we need zoom, 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 banana, zoom, 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 banana, zoom, banana, zoom, banana, zoom, banana, zoom, banana, zoom. Bien sûr, t'as besoin de conservation maintenant. L'est-il? Bien sûr, t'as besoin de conservation. Eh bien, pour tout. Chatson? Pour tout le monde net en général. Mes amis. Ah, m'sot la grand zoom la mi tête passer par ici. Tout le monde. Eh oui. Nous zoom pour tout le monde. Zoom pour tout le monde qui bon. Avec nous là dans live là, tapé mettez animation. On m'a dit zoom pour tout le monde. Pour tout le monde en général, tout le monde qui en bas live là, nous zoom pour eux. Ah oui. Nous zoom pour tout le monde qui relé aux yeux. Oh, ok. Nous zoom pour toutes vos yeux, particulièrement notre rose à nous. Ah, et rose à toi. Ok. Elle a zoomé avec nous là. Maintenant, elle a zoomé comme ça, elle a zoomé pour moi tout. Oui. Je vais zoomer pour lui. Je vais zoomer pour lui avant. Et ça vous fait, vous prenez devant, vous allez courir, zoom avant. Zoom. Avant, zoom pour vous. Je vais zoomer pour l'autre. Yeah. Eh bien, bon zoom. Zoom. Monsieur Tau, bon zoom. Zoom pour toutes vos yeux. Ok. Merci avec tous les amis qui sont mettés à l'animation ce matin. Jean Tabdi, l'animation, ça fait plaisir avec tout le monde qui a fêté, tout le monde qui connaît son natif mois avril. Eh bien, nous zoom pour vous, nous disons qu'un bel là, tiens bon, prends ma main dans ta main, tiens bon, tiens même bon, si tu as bon. Rencontré une mauvaise nouvelle aujourd'hui, là, regardez, bon. Prends main l'autre là, ou bien prends main pas nous, non mais pas où, et puis n'avance. Voilà. Et moment de récréation, ça s'est fait fini. On a pris le tour rapide pour nous faire conclusion de leçon ensemble avec vous. Je ne te promets pas. Il y a une leçon qui a fait retracer l'histoire du grand conflit cosmique, mais qui montre nous au cœur de ce conflit se trouve l'amour de Dieu, un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Et c'est par amour qui fait que l'hypate censé éliminer. Et Lucifer, lorsque l'été prend cette décision pour aller, comme si tu es capable de dire, écraser et bonne entente qui te gagne, harmonie dans l'environnement parfait, ça, nous comprenons bien, il y a plein de monde qui t'a fait tout mettre fin avec Lucifer, t'a tout éliminé, il dit non, je ne peux pas faire un bagage comme ça, et dans le ciel là. Mais nous, par amour, Dieu, il était quitté le fait choix, quitté le fait chemin
Et bientôt, très bientôt, nous connaissons ce qui va se passer, c'est que par la mort de Jésus sur la croix, donc tête, c'est pas ça, c'est crasé, c'est ça il dit dans la leçon. Hein. Tête, c'est pas crasé. Il est vrai que Jésus a recevoir cette blessure dans le talon. Ça nous vient dans la première prophétie biblique, là, parce que vous avez parlé de texte, Genèse 3, verset 15. C'est la première prophétie biblique qui dit postérité femme là avec serpent, il n'y a pas besoin de Jésus mettait, ou bien tu es capable de dire, créateur a metté, coupé, fâché entre eux. Serpent, ou bien postérité, si vous voulez, qui est pour blesser postérité femme là dans ta langue, et c'est Jésus. Jésus recevra cette blessure lorsque il mourit sur la croix. Donc, il y a une blessure dans le talon. Mais celle-ci t'écrasera la tête. Donc, la résurrection de Jésus, c'est comme si nous étions capables de dire c'est ça qui porte victoire. Et à nous autres, journée aujourd'hui, qui écrase la tête, c'est pas. Donc, c'est, tout ça, c'est l'amour de Dieu. Et ça que nous te promettons pour nous chanter une strophe. Quel est cet amour? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ? Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, mais il est riche en son amour. On va même que nous chanter, parce qu'on va faire conclusion et puis pour nous chanter en soif. Et on chante ça pour nous faire conclusion nette. Oui, alors, ça n'a pas dit, c'est que c'est un secret que tout le monde connaît. Et ma rebaille secret a qui c'est secret c'est l'homme a prié me doit demander bon Dieu l'amour parce que dès l'amour toute l'autre bagaille est caché parce que monde qui demande bon Dieu l'amour il a pas perdu rien et le son titre le son c'est l'amour se ferait le chemin parler de du christianisme parler de chrétienté pagain chrétienté sans l'amour. Ça veut dire nous pas qu'à parler de chrétienté sans l'amour. Ça veut dire essence qui fait chrétienté c'est l'amour. C'est l'amour. Donc c'est ça qui fait qu'il y a un chant encore qui dit que Seigneur ce que je réclame c'est ce riche don d'amour. Chant noté chanté matin. Oui, exactement. Ça veut dire c'est un chant qui est intéressant encore. Donc nous comprendre que l'amour c'est par lui-même que nous capables arriver plaire bon Dieu. C'est l'amour qui c'est le premier bagage que nous devons gagner pour que nous devenions chrétiens. Donc, nous demandons, chers amis, pour que nous continuions à prier pour tout l'autre bagage, mais à nous ajouter vocabulaire ça dans la prière, nous, qui c'est pour bon Dieu, ben nous, l'amour. Parce que les gens qui ont l'amour, ils n'ont pas jamais perdu rien. L'amour de Dieu. Pour nous finir, il y a une illustration de un bagage que tu as regardé sur un monde qui a demandé qui choix qui ça l'a choisi et puis il dit que c'est il mettait l'amour il mettait l'argent il mettait un autre bagage encore soit un bien matériel et puis il venait pour la choisir l'argent et puis il y a un petit monde qui était là il dit non il dit il choisit l'amour. C'était toi, mon papa, maman, petite. Petite là dit non, l'amour, mamie. Et puis carrément, et puis maman, elle prend l'amour. Elle prend l'amour, elle joint ni l'autre bagaille qui était au choix, en dans l'amour. Ça veut dire l'amour, il marche avec toute l'autre bagaille. Peut-être, il est difficile pour mon remède, mais son lutte, lié moi-même, m'a lutté pour mon Dieu mettre l'amour dans le cœur, en nous lutter tout parce que pas gain chrétienté sans l'amour. Donc c'est ça notre abdi pour nous finir avec le son. Point sous tout io pour que nous soyons capables de conclure partie le son si là que c'est l'amour se ferait le chemin et vraiment l'amour bon Dieu il pas gagné mais il et gagne autre que de chanter ça tout pas qu'un chant et décrit oui sur l'amour oui, l'amour bon Dieu puis grand passé exactement là, oui les anges cap dit là aller plus loin par ces étoiles puis oui. Jouer le monde qui t'est fin perdu et c'est cet amour que le Seigneur a demandé pour nous partager oui. À quel que soit mon nom quel que soit rang social nous devons partager l'amour ça ensemble avec lui well, voilà
Donc, si nous t'arrivons à partager l'amour, bon Dieu, j'ai demandé là, parce que Jésus était capable de faire tourner déjà. Donc, c'est mission, moi-même, ensemble avec vous. En nous, baille l'amour dans la famille, baille l'amour dans l'entourage, baille l'amour dans la ville côté nous. Même, je rappelle nos thèmes et que nous sommes trouvés dans la semaine prière, Genèse, c'était présent dans les villes. Donc, c'est l'amour qui nous a mis pour tout côté nous passer. Oui, nous avons plusieurs amis en bas live là qui s'entendaient et on t'y frappe. Donc, t'y frappe, nous t'entendons, ah, ce n'est pas tremblement de terre, ce n'est pas cartouche qui a voyé, ok, mais qui a tiré plutôt. Mais c'est activité qui a fait, nous comprenons, dans nouveau bâtiment et meilleur DH là, il y a une activité qui a fait, que ça n'a pas dérangé nous parce que nous connaissons, faut que nous. Bien vous dit bosse au travail et appartement ça pour mais capable bien recevoir toute émission etc. Voilà, nous souhaitons nous pas ébranler pour ça. OK, voilà. Et ben n'a pas mettez fin avec le son pendant que j'en t'ai promettre lui n'a chanté dans numéro 321 strophe et quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Il est sévère, mais pas comme pasteur, pour qu'il est sévère. On chante strophe chansa pour nous tout conclure le son jodianet. C'est avec belle parole, amen. Chant 321. Nous avons conclu le son matin. Hein? L'amour se ferait un chemin. C'est le moment où le texte a complété. Hein? Ben, juste avant, c'est après Jingle. Là. Thank you.
Voilà. C'est le moment, rubrique texte à compléter. Hein? Et tous les amis sont déjà habitués avec le moment ça. Il est arrivé. Vous avez des possibilités pour capable de puis pour compléter texte là. J'en ai même dit, il mettait dans bouche texte là, qui est très mazoura. Vous pouvez le voir ça. Et ensemble avec nous. Très mazoura. Les amis sont habitués avec ça. Et c'est des spécialistes qui ont eu. Mais il mettait ça. Alors, ils retournèrent à de la montagne appelée Dé, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin d'eux. Alors, ils retournèrent à de la montagne appelée Dé, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin d'eux. Où est-ce que ça peut là? Pasteur Jacques, il compte du texte la boiteux. On dit? Texte la boiteux. Ah, texte la boiteux. Et nous constatons que c'est dans le bagain. Regardez comme si on mazoura ou est vraiment vrai. Et il n'y a pas qu'à manger n'importe qui bagain. Même si nous sommes appelés là, comme si c'est mon qui mazoura qui nous y est. Et bien, nous voyons un spécialiste dentaire qui est pour compléter pour nous. Il y a notre gain, Sœur Elvire Saint-Luc. Je ne sais pas si tu as gain aujourd'hui. Ah, hier, c'était qui, Sœur Saint-Luc? C'était Sœur Elvire Saint-Luc. Okay, dimanche, on a gain, Sœur Edine Massien. Lundi. C'était Sœur Maguen et Joseph. Joseph. Ça? Hier, c'était Sœur Elvie. Et puis, Jodia, qui c'est mercredi. Non, par contre, qui laisse. Sans suspense. En tout cas, Napton. Napton, parce que nous chargeons avec spécialiste. Oui, Napton, parce que nous sommes spécialistes. Exactement. Napton. Voilà. Eh bien, les amis, là, ils ont cherché. Ils ont cherché. Ils ont fait des biblio. Et c'est ça, ouais, jingle, là, tap, dit oui. Ok. Ils ont fait des biblio. Et c'est mon qui est capable de ça. Puis rapide. C'est le monde qui est plus rapide là qu'il a trouvé dans eux. Oui, parce que. C'est pas vrai? Parce que distance pour qui tu as joué les. Pour les. Ou quand tu as joué les. Ou quand tu as joué mais distance pour les. Voilà. Pour comprendre. Ou quand tu as joué dans eux, tu as joué l'amour. Mais on ne peut pas placer n'importe comment. Comprendre. Il faut planifier pour comprendre comment on peut le mettre. Exactement. On ne peut pas mettre incisif dans la place. Et surtout, il y a une racine qui est très difficile. Ah, ouais, bagaille là. Bon, pas sortir, ou pas mazoura. Comment on fait comme ça? Eh bien, naturellement. On peut le monde qui est mettre. Parce qu'il y a plusieurs monde qui est mettre là, on ne peut pas laver. Ok, ok, ok. Dieu dit nous qui ça pour nous faire. Voilà. Ensemble, les gros spécialistes, on ne peut pas sortir. Oui, nous sommes spécialistes. Ah ben, recevoir l'offre. Nous dit bonjour, bonjour, spécialiste nous. Allô, bonjour. Allô, comment nous y est? Nous sommes bien, grâce à Dieu et nous-mêmes. Nous bien, grâce à Dieu. Alors, nous avons un petit problème là. Nous avons un texte qui manque dedans, donc nous. Nous avons bien un problème. Exactement, nous avons bien aimé ajouter dedans pour nous. On va le mettre dedans pour nous. Oh, ben. Et on a demandé pour les techniciens, il faut monter le volume. Oui, récepteur à vous. C'est Edeline Massien. Edeline Massien, depuis Boston. Ok, c'est Edeline Massien. Okay. On n'y a c'est pas depuis Chili, c'est depuis Boston. Attention. Voilà. Je veux saluer tout Boston. Qui est avec nous. On allez. Nous sommes pas vraiment à ce premier verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance du chemin de Sabbat. Vous entendez bien, parce que. Entendez. Pourquoi c'est ça? Il faut que ça d'abord deuxième lecture. Oui, il y a encore pour nous souplir, spécialiste, non? Moi, dans le verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance des chemins de Sabbat. Et puis, texte, c'est dans qui côté nos jeunes, dans Matthieu? Verset 12. Hey. Oh. Vous entendez bien? Vous entendez tout petit, oui. Mais, qui comment le encore? Sœur Edeline Massien. Sœur Edeline? Sœur Edeline Massien. Eh bien, Sœur Edeline, félicitations. Parce que. Ça dit assez exactement? Exactement. 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 Félicitations. Ou pas une requête de prière? Merci beaucoup. On a toujours une prière pour belle-mère, jusqu'à maintenant, qui est toujours sur l'hôpital. La prière pour? Pour belle-mère? Non, c'est au rôle Toussaint. Belle-mère, au rôle Toussaint. Attendez, non, belle-mère. Mm-hmm.
On va prier pour belle-mère. Hello, après. Allô? Allô? Oh, nous pas bien entendu. Ça est une grosse difficulté. Nous entendons très bien. Vous pouvez faire une prière pour belle-mère qui est toujours sous le cabane de l'hôpital. Comment elle est? Ok, balle non belle-mère là. Orange Toussaint. Orange, voilà, ok. Orange Toussaint, voilà. Et prière pour Pasteur Boraz Hilaire. Pasteur Hilaire Moraz. Boraz Hilaire. Et maintenant, pour le prière pour Serro, il y a une douleur qui passe, qui t'aimait. C'est Pasteur Moraz Hilaire, parce que je me rappelle mes tapes. Boraz Hilaire. Voilà. Boraz Hilaire. Boraz Hilaire. Ok, Boraz Hilaire. Ok. Bonne journée avec Jésus. Merci, merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Petite. On va bien prier pour petite là, non? Ok. Pas un problème. Bah, notre petite là, vous priez pour lui. Ah, bah, toute la famille. Pierre-Louis Masson. Pierre-Louis Masson. Frère, vous pensez qu'on prononce notre petite là? Andy Masson. Andy, ok. On a prié pour petite soeur Edline, ok? Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Ok. D'accord. Mille merci à Sœur Edline Massien qui souhaite compléter le texte là pour nous. Et oui, c'est le texte là. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Donc, c'était retourner à Jérusalem, montagne des Oliviers, et puis à la distance d'un chemin de sabbat. Donc, c'est toujours sabbat qui s'est mot de passe là. Dans tout texte, yo. Merci à Sœur Edine Massek qui s'est complété pour nous. Maintenant, nous avons pensé à qui ont sacrificateur dans la Bible là. Donc, on parle de résultat concours biblique là. On parle de résultat résultats concours biblique là. Merci, Daniel. Ensemble avec technique, on parle de résultat concours biblique là. Oui, là. Nous avons pensé à qui ont sacrificateur dans la Bible là. Non, on a commencé par la lettre S. Avancé. Indice. Ouais, nous t'es ouais. Et nous t'es signifie récompensé par l'Éternel. C'était un sacrificateur dans temps Néhémie qui était chargé du trésor d'après Néhémie chapitre 13. Et réponse lancée, c'était la lettre S. Donc réponse lancée, Chélémia. Chélémia. Comment? Chélémia. Chélémia. Faut que tu écris ta. Projeté pour vous, est-ce que tu as prononcé nous? Non, hein? Chélémia. Eh bien, tout le monde sait, c'est le monde qui fait connaissance avec Chélémia. Sœur Gina Etienne, Oreb, nous saluons, Sœur Gina. Magen Joseph, Béatrice, et tu es récemment? Facebook MODH. Brésilia Prévalu, Jean-Romain Boutus. Et puis, qui laisse encore? Pas d'accord. On peut aller. Sandra, du juste. YouTube, Kélissan. Et puis, Rose-Pierre. YouTube, M-E-O-D-H. Rose-Pierre. On passe à lui, Rose, et passe. Ouais. Et okay. Puis, gagnante spéciale. Étudiante ou bien gagnante spéciale, c'est Edline Massien. Massien. Voilà, eh bien, c'est ça. Nous félicitons tous les amis qui ont fait connaissance avec Chélémia. Chélémia. Ok. Et puis, top 10 moun qui était plus ponctuel le matin, hein, pour nous finir avec l'émission honnête, Ginette Guillaume, Hermant Olius, Naisonder Pierre, Isias Marcellus, Gina Etienne, Magdalene Pierre Claude, Savinsky Claude, Claudine Brice, Myrlode Narcisse, et puis Sandra Dujust. C'est moun ça qui était plus ponctuel. Et la top 10 là, ouais, mesdames, vous êtes à l'honneur. Voilà. Eh bien, c'est de tout. Et nous allons prier le Seigneur avec Pasteur Daniel Sever. N'oubliez pas, il n'a bien pour nous prier pour Sœur Edline Massien, gagnante spéciale. Rose Toussaint, qui c'est belle-mère, qui est hospitalisée. Puis Pasteur Moraz Hilaire, qui a besoin également de guérison. Edline Massien, Rose Toussaint, Moraz Hilaire.
Bon, ça, c'est sous demande, sœur Edeline Massin, et puis elle va prier pour toute la grande famille MEODH. Et Haïti, notre pays, pasteur Daniel Sévère, elle va prier pour nous en prenant une attitude de prière. Notre Père, notre Dieu, Seigneur, nous présentons-nous devant dans un moment ça pour nous parler avec vous. Ou même qui content des prières, tout le monde vient de côté indistinctement. Dans un moment ça, nous remercions pour le moment ça, nous sommes passés, nous avons étudié la parole, nous avons récréé nous, nous avons chanté des cantiques. Et qu'on y a, nous arrivons dans la fin de l'émission. Mais nous avons demandé dans la fin ça, dans la fin de l'émission pour capable sauver dans le moment ça, sur Toussaint, qui est malade, qui est sous cabane de l'hôpital. Nous avons demandé tout pour aller, eh bien, délivrer pasteur Hilaire. Nous avons prié pour sœur Edeline Massien, qui est capable d'orienter, nous connaît petit, les tout, aller visiter. Nous voulons prier dans le moment ça, au Dieu, pour chaque monde actuellement qui est en bas live là et qui a besoin de présence dans le moment ça. Allez visiter eux, allez dire un mot pour eux. Nous pas oublier prier pour studio, nous là dedans, MEODH, avec tout staff là. Chaque monde qui joue un rôle, chaque monde qui constitue studio ça. Nous prions pour pays nous, Haïti, encore qui trouve dans un carrefour qui est noir, nous demandons de grâce pour que vous capable de porter secours à peuple qui littéralement exilé humanitairement et même spirituellement, Seigneur, parce que vous sentiez sans espoir. Nous sentions sans espoir, mais nous disons merci parce que vous avez nous chaque espérance que. Même le tout bail qui passe dans le monde là, mais l'amour pas jamais passer pour nous. Mais Seigneur, grand pile l'autre monde qui vit dans le pays qui pas d'espérance ça, qui pas d'espérance chrétienne. Simplement n'a demandé pour ban nous force, remplir nous avec Saint-Esprit pour nous manifester espérance ça à l'autre qui pas connaît là en Haïti. Merci Seigneur pour le travail que médias chrétiens a fait pour évangéliser en Haïti, ba au plus capacité. Plus technique, plus moyen, plus stratégie. Pour qu'on commence, Seigneur, pour eh bien, éduquer le peuple ça spirituellement, pour sauver le peuple ça avec l'évangile, et qu'on sait va attendre, et va ouais, et va sauver. Bénis-nous, sauvez le pays. On connaît chaque monde qui est là actuellement. Seigneur, fais-nous grâce, nous prions dans le moment ça pour. Et pasteur Whitley, avec toute famille, et nous prions pour maître Richardson, avec toute famille qui t'a joué. Nous prions pour notre frère Parison, avec toute la famille. Nous prions pour Ludia, pour la famille. Nous prions pour le pasteur d'Haïti qui était de loin, et avec toute la famille. Notre frère Keshne Sano, avec toute la famille. Nous prions pour chaque monde, Seigneur, qui souligne avec toute la famille. Bénis-nous, sauvez-nous, nous prions parce que nous, bon, c'est dans le nom de Jésus, à lui soit la gloire, l'honneur, l'ouange, et au siècle des siècles. Amen. 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 Merci de nous rester fidèles. C'est la fin de votre émission Le Pain de Vie pour vous servir à la mise en œuvre de la sœur Ludia Adrien, sous piano Adrien Maïsou Richardson Jean, assisté par pasteur Parison Junior qui a toujours raison, bien sûr. Et en microphone, c'était pasteur Othniel Sévère, moi-même serviteur Wetlin Eustache. Nous tous nous mettons pour nous ensemble pour nous dire nous vraiment en pile. Kembe là par la guerre avec MEODH. Pas jamais la guerre. Et on continue à partager. L'amour, mais quand t'as pour émission Le Pain de Vie, c'est pas pour bientôt. Bye bye, à la prochaine. Mesdames, messieurs, laissez-moi rendre hommage à une personne vraiment spéciale. Un être exceptionnel qui mérite un très, très joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire!